Je viens de faire un cauchemar. Pourtant, au début, ça partait bien. Et après? Tu la sens bien, là? T'as dit quoi? Bah, rien. Ah, d'accord. Non! C'était Martin, un ancien camarade de classe. Je suis amoureux de toi. Je pense à toi tous les jours quand je me rase le pubis. Qu'est-ce que tu racontes? Répète après moi. Hakuna Matata. Quoi? Ça doit être parce que j'ai maté le Roi Lion avant d'aller me coucher. Vous tomberez de vous-même dans mes bras, allez-y, vous verrez. Ça, c'est parce que j'ai maté Pirates des Caraïbes juste après. Quand je te montre ma queue, ça te fait vraiment jouir? Oh! Alors ça... Ça, je vois pas. Ah non, non, non. Enfin bref, j'ai fait comprendre à Martin que c'était pas possible entre lui et moi. Écoute, on est amis. Mais rien de plus. Je comprends. Du coup, je vais t'arracher la bite. Alors, je suis sorti de chez moi, j'ai pris l'ascenseur. Et il s'est bloqué. Merde. Alors, j'ai appuyé sur le bouton de secours. Ah bonjour, les délits de Tangai, peux-tu prendre votre commande? Hein, quoi? Non, je suis bloqué dans l'ascenseur, là. Avec des légumes vapeur? Quoi? Alors j'ai voulu appeler de l'aide avec mon téléphone. Mais c'était devenu une pomme. Et elle avait plus de batterie. Putain, fais chier! Et là, je me suis retrouvé dans un garage. Et là, le sol s'est mis à vibrer. J'ai réussi à sortir de là. J'ai rejoint mon immeuble. Je suis arrivé dans un couloir. Pas un bruit. Plus personne. Belle organe. Merci. Je courais de toutes mes forces. En talon aiguille. Et en faisant de la corde à sauter. En fait, je me suis rendu compte que je faisais du surplace. Martin avait disparu, sans trop savoir pourquoi. Alors, je me suis installé dans mon lit. Et ensuite... Abonne-toi à la chaîne, sinon je t'arrache les couilles. Une par une.